Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est l'heure des Oscars, des prédictions Oscars pour l'année 2020. C'est une tradition qu'on fait là depuis maintenant, ça fait 2 ans. La première fois qu'on l'a fait, c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Alors, avant toute chose, donc la vidéo sera en deux parties, d'abord les prédictions, ensuite les résultats. Donc là, il faut me croire, hein, sur parole, nous sommes avant la cérémonie, on est le 8 février 2020, il est 16h02. Je peux pas l'inventer là, c'est la marquée là. La cérémonie aura lieu dans la nuit du 9 au 10 février, donc on est avant la cérémonie, je vous assure qu'on est avant la cérémonie, je ne triche pas. Voilà. Et donc la deuxième partie de la vidéo se passera évidemment après la cérémonie, je pense que ce sera le 10 au matin, comme ça vous aurez mes réactions en live sur les gagnants. Comme d'habitude, 20 catégories, je ne fais pas les courts-métrages et documentaires encore une fois, je suis trop largué. J'ai réussi à avoir pas mal de nommés cette année, franchement j'ai de quoi faire des prix personnels, parce qu'il y aura aussi mes prix personnels. Et d'ailleurs encore une fois, mes prix personnels ne comptent pas, ce sont uniquement mes prédictions qui compteront pour un point si jamais c'est le vainqueur dans la catégorie. Donc il y aura une note sur 20 bien sûr. Parmi les films qui sont nommés au moins 3 fois, j'ai pu voir le favori Joker, 1917, Le Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Jojo Rabbit, Marriage Story, Parasite, Le Mans 66 et Star Wars 9. Et parmi ceux que je n'ai pas pu voir, il y a The Irishman, que je n'ai toujours pas vu, Les filles du Docteur Marsh, Les deux papes et Scandale. Voilà pour les films qui sont nommés au moins 3 fois, ceux que j'ai pu voir et ceux que je n'ai pas pu encore voir. Mon chat qui miaule, ferme-la. Comme d'habitude, on fait l'ordre Wikipédia inverse, donc on va commencer avec le meilleur film d'animation et on terminera par le meilleur film. On est parti donc. Meilleur film d'animation. Les nommés sont Dragon 3, Le Monde Caché, J'ai perdu mon corps, Klaus, Monsieur Link et Toy Story 4. Je suis hyper heureux que J'ai perdu mon corps soit là-dedans. Mais je pense qu'il ne l'aura pas. Et de toute façon, mon prix personnel va pour Toy Story 4 et ma prédiction également. Cela dit, j'ai un gros doute. Monsieur Link peut l'emporter. Il avait créé la surprise au Golden Globe. Et Klaus avait gagné le BAFTA, je crois. Donc honnêtement, c'est très très peu sûr que Toy Story 4 le gagne. Mais les Oscars, je pense, sont plus vendus à Disney. Et vu qu'il n'y a pas la Reine des Neiges 2, bah, je pense que ça n'échappera pas à Toy Story 4. Mais j'aurais adoré que ce soit. J'ai pas lu mon corps. J'aurais adoré que ce soit Dragon 3. Après, j'ai pas encore vu Monsieur Link, ni Klaus d'ailleurs. Mais il paraît que ce sont de très bons films. C'est vrai que Monsieur Link, vraiment, qu'il ait le Golden Globe, ça m'a cloué au bec. En plus, il y avait La Reine des Neiges 2 et Toy Story 4 qui étaient nommés. Ils se sont fait démonter par ce film-là. Il y avait même Le Royaume aussi qui était nommé, je crois. Il y avait 3 films Disney et c'est Link qui l'a eu. Alors j'avais trouvé ça ultra jouissif, mais je reconnais que ça avait été une bonne surprise. Bref, donc Toy Story 4 pour meilleur film d'animation, prédiction et prix personnel. Meilleur film international, qui ne s'appelle plus donc meilleur film étranger. Les nommés sont. Merde, j'ai plus de batterie. Enfin, j'y pense. Les nommés sont La Communion, réalisée par Jan Komasa pour la Pologne, Honeyland, réalisé par Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov pour la Macédoine du Nord, Les Misérables, réalisé par Lajli pour la France, Douleur et Gloire, réalisé par Pedro Almodovar pour l'Espagne, et bien sûr Parasite, réalisé par Bong Joon-ho pour la Corée du Sud. Prix personnel des prédictions pour Parasite. J'aurais pu effectivement être corporate et dire Les Misérables un peu personnel, mais j'ai préféré Parasite. Donc je vote pour Parasite également. Et je pense qu'il aura l'Oscar haut la main. Meilleure musique de film, les nommés sont. J'ai pas laissé les compositeurs. Je suis une sale merde. Alors attendez, excusez-moi 2 petites secondes. Ça me permet de me brancher en même temps. Donc. Allez, come on. Allez! Donc, musique de film, les nommés sont Joker, avec une OST de Hildur Guðnadóttir. Les filles de Dr. March avec une OST de Alexandre Desplat. Marriage Story avec une OST de Randy Newman. 1917 avec une OST de Thomas Newman, par mon calendrier de parenté. Et Star Wars 9 avec une OST de John Williams, bien sûr. Prix personnel pour 1917. Même si je n'ai pas écouté la BO, enfin l'OST hors du film encore, la musique m'a marqué. Et j'ai bien aimé la musique de Joker. D'ailleurs, je pense que, enfin, d'ailleurs, la prédiction pour Joker, hein, je pense qu'il dure Guðnadóttir, Laura, ce sera mérité, mais je pense que j'ai été plus marqué par la musique de 1917. La musique de Marriage Story est très bonne aussi, ça m'a beaucoup fait penser à Toy Story, très curieusement. En plus, bah, c'est le même compositeur, donc c'est logique. Mais c'est vrai qu'en voyant le film, je me suis dit, putain, mais c'est marrant, il y a la musique de Toy Story, effectivement, et après, quand j'ai vu Randy Newman au générique, j'ai fait, ah, bah oui, c'est normal. Et la musique de Star Wars 9, bah, j'ai trouvé assez invisible. Donc je vote 1917, mais je pense que ce sera Hildur Guðnadóttir qui l'aura, l'Islandaise, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça serait mérité pour elle parce qu'elle a fait quand même un bon boulot sur Joker. Meilleure chanson originale, cette fois-ci je les ai écoutées, donc je vais pouvoir donner un vrai peu personnel. Les nommés sont I Can't Let You Throw Yourself Away dans Toy Story 4, I'm Gonna Love Me Again dans Rocketman, I'm Standing With You dans Breakthrough,
In the Unknown World, je crois que c'est ça, dans La Reine des Neiges 2, et Stand Up dans Harriet. Prix personnel pour Stand Up, c'est la chanson que j'ai préférée parmi les 5, je trouve que c'est la plus puissante et la plus intéressante. Et prédiction pour I'm Gonna Love Me Again dans Rocketman. Je vois mal la chanson de Toy Story gagner, je vois mal les deux autres I'm Staying With You et Stand Up gagner. La Reine des Neiges 2 peut y prétendre, mais et je reconnais que la chanson est pas mal, en tout cas moins insupportable que la Let It Go, mais je le vois pas gagner. Je le vois pas gagner, donc je dirais Rocketman en plus, qui était assez snobé. Donc je pense qu'ils vont lui enfiler un pour par l'autre consolation. Meilleurs effets visuels, les nommés sont Avengers Endgame, The Irishman, Le Roi Lion, 1917 et Star Wars 9. Prédiction pour, par élimination je dirais, 1917, même si c'est pas le plus gros point fort du film, mais honnêtement, parmi les autres nommés, de ceux que j'ai vu en tout cas, bon. Et prédiction, ça me fait chier, mais je pense que Le Roi Lion l'aura. Parce que je me rappelle le Oscar qui avait gagné le Livre de la Jungle, le remake qui avait été fait en 2016, si je dis pas de bêtises. Malgré tout ce que. Alors j'ai pas vu le film, hein, parce que évidemment je suis pas un pigeon, mais bon, les images que j'ai pu voir, c'est quand même bien foutu. En termes d'effet visuel, on va pas se mentir. Donc je vois bien le Roi Lion gagner cet Oscar, ça me ferait beaucoup chier, mais je pense qu'il l'aura. Meilleur mixage son, les nommés sont Ad Astra, pareil, snobé le pauvre, Le Mans 66, Joker 1917 et Once Upon a Time in Hollywood, je dirais le Tarantino, parce que ça me fait chier de faire le titre. Prédiction et prix personnel pour 1917, parce que 1917, parce que le travail sur le son, j'ai trouvé assez immersif, assez incroyable. Meilleur montage son, les nommés sont Le Mans 66, Joker 1917, Le Tarantino et Star Wars 9, pareil, prix personnel prédiction pour 1917. Enfin, je me rappelle de Dunkerque, qui avait fait montage, mixage son et montage son. Apparemment, les films de guerre plaient beaucoup aux Oscars, donc je vois bien 1917 gagner sur ce coup-là aussi. Pour les deux Oscars, de toute façon, souvent mixage son et montage son, ça va de pair, donc je pense que 1917 aura les deux. Et ça sera pour les deux qui a mérité. Meilleur montage, là par contre, vu qu'il n'y a pas vraiment de montage dans 1917, il n'est pas nommé ici, c'est normal. Le meilleur montage, les nommés sont Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker et Parasite. Mon prix personnel ira pour Parasite, parce que je trouve le montage de Parasite vraiment excellent, mais ma prédiction va pour Le Mans 66, qui a un très bon montage, il faut l'avouer, et apparemment, je pense que ça a apparemment pas mal plu pour les pros du cinéma, le montage de Le Mans 66, donc je vois Le Mans 66 gagner cet Oscar. Meilleure photographie, le nommé sont The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 et Le Tarantino. J'ai adoré la photographie de The Lighthouse, mais il y a Roger Deakins en face pour 1917, donc plus personnel et prédiction pour 1917. Un deuxième Oscar pour Roger Deakins, ça serait génial, ça fait tellement longtemps qu'il en mérite plein. Donc allez, deux Oscars, ça sera toujours pas assez, mais au moins deuxième Oscar, ça serait cool. Meilleur maquillage et coiffure, putain, ça y est, ils avaient toujours trois nommés dans cette catégorie et des nommés qui n'avaient rien à voir. Cette fois-ci, ils ont été à peu près cohérents. Cette fois, c'est une vraie catégorie cette année, assez curieusement. Les nommés sont donc Scandale, Joker, Judy, Maléfique 2 et 1917. Prix personnel pour Joker, un peu par élimination, je dirais, parce que bon, le maquillage de Joker est devenu presque culte. Voilà, alors c'est que pour ça que le film le mérite, hein, c'est la vie, hein. Mais ma prédiction ira pour Scandale, parce qu'il y a eu un travail sur notamment sur Charlize Theron pour qu'elle ressemble à la journaliste dont a inspiré le film. Ça, les Oscars, ils adorent, donc Scandale aura l'Oscar, je pense. Meilleur costume, les nommés sont The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les Filles du Dr. March et Le Tarantino. Prix personnel pour Joker, encore une fois par élimination, et prédiction pour Les Filles du Dr. March. Parce que c'est un film historique, parce que les costumes de ce que j'ai pu voir du film ont l'air stylé, donc je pense que le film aura l'Oscar. Tagoule le chat. Meilleur décor et direction artistique, pardon, les nommés sont The Irishman, Jojo Rabbit, Le Tarantino et Parasite. Prix personnel et prédiction pour 1917, parce que je trouve qu'il y a un travail assez phénoménal qui a été fait, on y croit totalement, on est totalement immergé dans cet esprit de guerre mondiale, donc je trouve que c'est assez bluffant. Meilleur scénario adapté, les nommés sont The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les Filles du Dr. March et Les Deux Papes. Je suis très très sceptique, j'ai beaucoup hésité avec The Irishman, mais mon personnel et ma prédiction ira pour Jojo Rabbit. L'idée de base est cool, et je trouve que le film arrive plutôt bien à s'en tirer en termes de scénario. Ça raconte une jolie histoire, donc presque par élimination aussi, je dirais, je pense que ça ira pour Jojo Rabbit. Après, Les Filles du Dr. March, je peux peut-être la voir aussi, après j'ai pas vu le film, donc je peux pas juger, mais bon. Honnêtement, je suis pas sûr de mon coup sur Jojo Rabbit, ça va être une des catégories où je suis le moins serein. Mais bon, allez, on va partir là-dessus. Meilleur scénario original, les nommés sont A Couteau Tiré, donc le film de Ryan Johnson, Knives Out, Marriage Story, 1917, Le Tarantino et Parasite. Prix personnel pour Parasite, pareil, scénario assez brillant. Mais ma prédiction ira pour Le Tarantino, même si je trouve que le scénario est vraiment peut-être le point faible du film, mais bon, vu que ça parle d'Hollywood, vu que ça parle des acteurs, vu que ça parle du cinéma américain,
ça paraît logique, les Oscars aiment ça. Meilleure actrice dans un second rôle, les nommés EES, ce sont Kathy Bates dans le cas Richard Jewell, Laura Dern dans Marriage Story, Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit, Florence Pugh dans Les filles de Dr. March, et Margot Robbie dans Scandale. Alors mon cœur ira à Florence Pugh, mais pour Midsommar, mais elle n'est pas nommée pour Midsommar malheureusement. Donc je vais dire, prix personnel et prédiction, pour Laura Dern, qui est excellente dans Marriage Story. Scarlett Johansson, elle est très bien dans Jojo Rabbit, mais je trouve qu'elle n'a pas assez de temps de présence. Je trouve qu'elle n'a pas le rôle le plus marquant. Elle aurait pu le mériter, mais bon, pas sans ce coup-là. Meilleur acteur dans un second rôle, les nommés sont Tom Hanks dans Un ami extraordinaire, Anthony Hopkins dans Les deux papes, Al Pacino dans The Irishman, Joe Pesci dans The Irishman et Brad Pitt dans Le Tarantino. Plus personnel, les prédictions pour Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est le seul film que j'ai vu de toute façon, et Brad Pitt est excellent dans le film, donc aucun souci là-dessus. Meilleure actrice, les nommés EES sont Cynthia Erivo dans Harriet, Scarlett Johansson encore une fois dans Marriage Story, Saoirse Ronan, je crois qu'on prononce comme ça, c'est Saoirse Ronan dans Les filles de Dr. March, Charlize Theron dans Scandale et Renée Zellweger dans Judy. Plus personnel pour Scarlett Johansson, parce que cette fois-ci, elle le mérite amplement dans Marriage Story. Et prix personnel pour Scarlett Johansson, c'est ce que j'ai dit, oui. Et prédiction pour Renée Zellweger, parce qu'elle a gagné tout. Elle a gagné le Golden Globe, elle a gagné le BAFTA. Ça me paraît très compliqué qu'elle n'ait pas ici, d'autant qu'en plus, c'est un biopic. Judy, les Oscars adorent les biopics. Généralement, les acteurs qui font des biopics ont l'Oscar. Donc ça servira pour Renée Zellweger, je pense, sans problème. Meilleur acteur, les nommés sont Antonio Banderas dans Douleur et Gloire, DiCaprio dans Tarantino, Adam Driver dans Marriage Story, Joaquin Phoenix dans Joker et Jonathan Pryce dans Les deux papes. Prix personnel pour Adam Driver. J'ai adoré la performance de Joaquin Phoenix, mais Adam Driver, je l'aime beaucoup. Et en fait, je trouve que le couple qu'il forme avec Scarlett Johansson dans Marriage Story est vraiment, vraiment excellent. Ils jouent très bien tous les deux. C'est le point fort de Marriage Story, donc allez, je vais dire Adam Driver pour prix personnel. Mes prédictions, bien sûr, pour Joaquin Phoenix. Je pense qu'il n'y a aucune raison que ça lui échappe. Et ça serait bien sûr mérité. Meilleur réalisateur, les nommés sont Bong Joon-ho pour Parasite, Sam Mendes pour 1917, Todd Phillips pour Joker, Martin Scorsese pour The Irishman et Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood. Prix personnel et prédictions pour Sam Mendes, parce que la réalisation de 1917 est assez virtuose. Il y a un vrai travail de dingue qui a été fait, et pourtant il y a de la concurrence, hein, mais je pense que Sam Mendes l'aura sans problème. Et enfin, meilleur film, les nommés sont Le Mans 66, réalisé par James Mangold, The Irishman, réalisé par Martin Scorsese, Jojo Rabbit, réalisé par Taika Waititi, Joker, réalisé par Todd Phillips, Les filles de Dr. March, réalisé par Greta Gerwig, c'est ça, oui, Marriage Story, réalisé par Noah Baumbach, 1917, réalisé par Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino, et Parasite, réalisé par Bong Joon-ho. Prix personnel et prédictions pour 1917. Parce que, alors, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, mais je vois mal l'Oscar lui échapper, curieusement. Et honnêtement, le Tarantino peut l'avoir, vraiment. Je pense à ce genre entre les deux, forcément. Parce que les autres nommés, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de chance qu'ils... Non, je vois aucun autre film gagner. Vraiment. Donc je vais partir sur 1917. Je vais pas me tromper encore une fois, mais je partirai là-dessus. Voilà donc pour ces prédictions. Ça a été vite, hein, putain, j'ai fait vite finalement. Donc voilà, pour moi, ça sera donc plutôt une Razzap 1917, qui gagnerait donc 2, 3, 4... ça ferait 5 Oscars pour 1917. 6 Oscars pour 1917. Ça serait ensemble en vérité. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est le film que j'ai préféré de toute cette sélection. On verra bien. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques instants pour vous, lundi pour moi, pour la suite de la vidéo, pour les résultats et donc pour les réactions à chaud de ces résultats. À tout de suite. Eh bien, heureux, messieurs, dames. Nous sommes le 10 février 2020. Il est 8h05. Ça y est, donc la cérémonie des Oscars a eu lieu. Je ne suis absolument pas du tout au courant pour l'instant de qui a gagné. Je suis monté faire mon petit déjeuner, ma mère m'a dit « Alors, pas trop déçu ?» Mais j'ai dit « Bah attends, je sais pas encore qui c'est. » Elle me dit « Ah !» Moi, je fais « Ah !» Donc, on va voir. J'ai très peur du coup, parce que... Apparemment, il y a eu plein de surprises. On va voir. Écoutez, je ne sais toujours pas qui c'est. Donc, attention, je vais sur la page Wikipédia. Donc, encore une fois, page Wikipédia inverse. On va faire assez vite, hein, parce qu'il est 8h05, il faut que je parte au boulot dans un quart d'heure. Donc, c'est parti, je regarde. Donc, je me place directement. Je me place directement sur meilleur film d'animation. Je pense qu'on y est. On est sur meilleur film d'animation. Donc, meilleur film d'animation, ce n'est pas Monsieur Link qui l'a eu, ce n'est pas Klaus qui l'a eu, ce n'est pas J'ai pas lu mon corps, ce n'est pas Dragon 3, c'est donc Toy Story 4 qui l'a eu. Bon, jusqu'ici tout va bien.
C'est ce que j'avais prévu. Bon, je vous l'ai dit, les Oscars sont plus vendus à Disney, donc le Disney là, jusqu'ici ça me choque pas tellement. Et puis c'est quand même très mérité pour Toy Story 4. Donc premier point, ah merde j'ai oublié, je voulais mettre un juste un petit compteur, comme ça je n'oublie pas où j'en suis au niveau des points. C'est tout con, je voulais faire. Putain, évidemment, Internet va bugger. Gros, j'ai pas le temps. Putain, et par contre, quand tu veux un truc tout simple sur Internet, parfois, c'est juste une chiure. Compteur en ligne. Je veux juste un compteur, c'est tout. Petit compte à rebours. Non, c'est juste un compteur. De 0 à 100, j'en sais rien, moi. Putain, mais ça... Putain. Mais compte à rebours, je m'en bats les couilles de ton compte à rebours. Je veux juste un compteur de 0. Bon, je vais le faire ici. Ça me pète les couilles. Donc, un point. Alors, je tourne, hein. Je tourne. Je disais Toy Story 4 pour meilleur film d'animation. Il y aura un petit peu de vrai à côté, je suis désolé. On continue avec, c'était le meilleur film étranger, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, Douleur et Gloire, pardon, ne l'a pas eu. Les Misérables ne l'a pas eu. Ensuite, Honnêtement, La Communion, c'est donc Parasite qui a eu le meilleur film international, et non meilleur film étranger. Encore une fois, sans aucune surprise, voilà, c'était couru d'avance, presque, hein. Parasite a roulé sur tout le monde cette année. Donc, deuxième point, écoutez, pour l'instant, ça se passe pas mal. Après, c'était... qu'est-ce que c'était? C'était Meilleure Musique, c'est ça? Donc, ce n'est pas Star Wars 9 qui l'a eu, ce n'est pas 1917 qui l'a eu, ce n'est pas Marriage Story, ce n'est pas Les Filles de Dr. March. Joker l'a eu, donc Hildur Gunadóttir, donc l'Islandaise. C'est ce que j'avais dit. Troisième point. Amplement mérité, elle a fait un travail génial sur Joker, c'était pas mon prix personnel, mais la musique de Joker est vraiment très bonne, donc y a pas de problème. Je suis très content pour elle, donc troisième point. Donc pour l'instant 3 sur 3, tout va bien, mais rien n'est fait encore bien sûr. La meilleure chanson originale, donc ce n'est pas Stand Up qu'il a eu, ce n'est pas I'm Standing With You, ce n'est pas In Another World, non, Into the Unknown. J'arrive pas à tenir le nom de la chanson. Déjà, j'ai dit n'importe quoi dans les prédictions. Into the Unknown, dans La Reine des Neiges 2. Donc, c'est pas elle non plus qui l'a eu. Ce n'est pas la chanson de Toy Story 4, I Can't Let You Throw Yourself Away. C'est donc I'm Gonna Love Me Again dans Rocketman qui l'a eu. Encore une fois, c'est ce que j'avais dit. Quatrième point. Et pour l'instant, c'est imperfect. Hein. Ça va mal se passer. Il y a forcément un moment où ça va déconner parce que c'est pas possible ce qui se passe. Donc. Encore une fois, mérité, oui, la chanson est cool, mais c'était pas mon coup personnel, mais la chanson est cool. Et de toute façon, c'était assez... quand même, Rocketman, je pense, méritait au moins un Oscar. Enfin, ils auraient dû être cohérents, par exemple, avec Bohemian Rhapsody, ils lui donnaient plus de statuettes. En plus, je pense que le film était meilleur que Bohemian Rhapsody. Mais bon, c'est pas grave. Ça doit être les meilleurs effets visuels, ça. Oui, voilà. Ah, ce n'est pas Le Roi Lion qu'il a eu. Donc ça y est, première erreur. Donc ce n'est pas Star Wars 9, ce n'est pas Le Roi Lion, ce n'est pas The Irishman, ce n'est pas Avengers Endgame. C'est 1917 qu'il a eu. Bon, c'était mon prix personnel, mais j'aurais pas sonné que Le Roi Lion l'aurait. Parce que Disney, parce que les Oscars vendus à Disney, mais non, bon, c'est 1917. Mérité, mais du coup, bon, ben, un peu déçu, parce que c'est pas ce que j'avais dit. Bon, je reste à 4 points, 4 sur 5, ça va, pour l'instant rien de grave. Ben, je sais pas ce que c'est ça. Comme catégorie. Donc ce n'est pas Once Upon a Time in Hollywood, ce n'est pas Joker, ce n'est pas Le Mans 66, ça doit être peut-être le meilleur mixage son. Ad Astra, mixage son, c'est ça, et c'est 1917 qu'il a eu, c'est ce que j'avais dit, donc tout va bien, cinquième point. On peut en mériter, j'ai rien à redire. Montage son, donc du coup, ce qui suit, Star Wars 9 ne l'a pas eu, Once Upon a Time in Hollywood ne l'a pas eu, 1917 ne l'a pas eu. Ah, là, on a un problème. C'est Le Mans 66 qu'il a eu, le montage son. Oui, pourquoi pas, c'est pas vraiment ce que j'avais vu, mais ça paraît pas déconnant. C'est bizarre parce que maintenant, montage sur mixage son, c'est toujours le même qu'il gagne, mais pas cette fois, donc vous voyez, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc bon, je reste à 5, rien de grave, ça va, bon, c'est pas déconnant dans 66, moi ça me va. Ok, pourquoi pas, bon, très bien. C'est bien montage ensuite, je pense, donc ce n'est pas Parasite, ce n'est pas Joker, ce n'est pas Jojo Rabbit, ce n'est pas The Irishman, c'est le Mans 66 qui est le meilleur montage. Il me semble que c'est ce que j'avais dit, ou j'en ai doute. Attendez, oh putain, attendez, je vérifie parce que je suis même pas sûr. C'est ce que j'avais dit? Attendez, bougez pas. Est-ce que c'est ce que j'avais dit? J'ai un gros doute, hein, je vous avoue, j'ai un gros doute. Allez, putain. Ça met une heure pour ouvrir un DT, quoi. Alors, meilleur montage, j'avais dit... Le Mans 66, donc c'est ça, donc c'est bon. Sixième point. Mérité pour le Mans 66, aucun problème là-dessus, donc très bien. La meilleure photographie.
Ce n'est pas Once Upon a Time in Hollywood qui l'a eu, ce n'est pas The Lighthouse, ce n'est pas Joker, ce n'est pas The Irishman, c'est Roger Deakins qui l'a eu pour 1917. Septième point. Bien sûr que c'est mérité, rien à redire. Très content pour Roger Deakins qu'il ait maintenant deux Oscars, et c'est toujours pas assez, mais c'est quand même bien. On passe au meilleur maquillage et coiffure. Donc ce n'est pas 1917, ce n'est pas Maléfique 2, ce n'est pas Julie, ce n'est pas Joker, c'est Scandale qu'il a eu. Huitième point, jusqu'ici. Ok, hein, de toute façon, c'est ce que j'avais dit, donc très bien. Ça se passe vraiment trop bien. Moi, j'ai deux petites erreurs pour l'instant, mais rien de grave. Meilleur costume. Là, déjà, j'étais moins sûr de mon coup. Ce n'est pas Once Upon a Time in Hollywood, ce n'est pas Joker, ce n'est pas Jojo Rabbit, ce n'est pas The Irishman, c'est les filles du Dr. March qui l'a eu. Neuvième point. Encore une fois, c'est ce que j'avais dit, donc très très bien. J'ai pas grand chose à dire. J'ai pas vu le film ni Scandale d'ailleurs, donc je peux pas dire grand chose. Certainement que c'est mérité, j'en doute pas une seconde. Les meilleurs décors et direction artistique. Donc ce n'est pas Parasite, ce n'est pas 1917, ce n'est pas Jojo Rabbit, c'est le Tarantino qui l'a eu. Ok. Bon, c'est pas ce que j'avais dit, mais ok, ça me choque pas plus que ça. Après tout, c'est Hollywood, les décors, donc forcément, bon. Ok, j'ai pas le point, mais je gueule pas, c'est tout à fait mérité, y a pas de problème. Meilleur scénario adapté. Alors là, j'étais pas du tout sur mon coup, donc ce n'est pas Les Deux Papes, ce n'est pas Les Filles de Dr. March, ce n'est pas Joker, ce n'est pas The Irishman, c'est Jojo Rabbit qui l'a eu, et encore une fois, j'ai eu juste 10ème point. Bah, c'est ce que j'avais dit, est-ce que c'est mérité? Oui, on va dire oui. Mais bon, voilà. Très bien. Meilleur scénario original. Alors là, par contre, ça va être chaud. Ça va être chaud bouillant. Ce n'est pas Once Upon a Time in Hollywood qui l'a eu. Et c'est ce que j'avais dit. Donc mince. Ce n'est pas 1917. Ce n'est pas Marriage Story. C'est Parasite qui a eu le meilleur scénario original. J'en suis très, très content parce que c'était mon plus personnel. Mais j'avais dit le Tarantino. Donc je n'ai pas le point. Je suis très content pour Parasite. C'est amplement mérité. Mais j'ai pas le point. Bon, tant pis. On passe aux acteurs. Donc on passe. On commence par meilleure actrice dans un second rôle. Donc ce n'est pas Margot Robbie, ce n'est pas Florence Pugh, ce n'est pas Scarlett Johansson, ce n'est pas Kathy Bates. C'est donc Laura Dern qui l'a eu pour Marriage Story. Aucun suspense. C'était quasiment couru d'avance. 11ème point. On passe à meilleur acteur dans un second rôle. Ce n'est pas Joe Pesci, ce n'est pas Al Pacino, ce n'est pas Anthony Hopkins, ce n'est pas Tom Hanks, c'est Brad Pitt qui l'a eu pour le Tarantino, aucun suspense, 12ème point. Meilleure actrice, ce n'est pas Charlize Theron, ce n'est pas Saoirse Ronan, ce n'est pas Scarlett Johansson, ce n'est pas Cynthia Erivo, c'est Renée Zellweger qui l'a eu pour Judy, 13ème point, encore une fois c'est décoré d'avance. Meilleur acteur, ce n'est pas Jonathan Pryce, ce n'est pas Adam Driver, ce n'est pas Leonardo DiCaprio, ce n'est pas Antonio Banderas, c'est Joaquin Phoenix qui l'a eu pour Joker. Qui ça surprend, honnêtement, bon, c'était couru d'avance encore une fois. Ça fait 14, alors déjà j'ai battu mon record haut la main. Il reste encore 2 prix, donc je peux avoir 16 sur 20. Vous imaginez un petit peu 16 sur 20. Franchement, je serais hyper heureux de ça. Donc on termine avec les deux catégories majeures. Ouais, t'es pas là, mais si t'es là. Je continue. On termine donc avec meilleur réalisateur et meilleur film. Donc meilleur réalisateur, ce n'est pas Tarantino. Ce n'est pas Scorsese, ce n'est pas Todd Phillips, ce n'est pas Sam Mendes, c'est Bong Joon-ho qui l'a eu pour Parasite. Oh, alors, bon, c'est pas ce que j'avais dit, mais très content pour Bong Joon-ho. Très très surpris ce coup-là, je reconnais que je suis très surpris. Et donc, ah, ce qui veut dire que meilleur film, ok, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris pourquoi ma mère me disait, tu vas être surpris. Ok, donc Parasite, bon, très bien, je suis très content pour Bong Joon-ho, il le mérite. J'avais plus vu Sam Mendes, mais très content pour Bong Joon-ho, c'est amplement mérité. Et donc, meilleur film, on y va, c'est parti. Ce n'est pas le Tarantino, ce n'est pas 1917, ok. Ce n'est pas Marriage Story, ce n'est pas Les Filles du Dr. March, ce n'est pas Joker, ce n'est pas Jojo Rabbit, ce n'est pas The Irishman, ce n'est pas Le Mans 66, c'est donc c'est Parasite qui a eu meilleur film. Ok, très bien, je comprends maintenant pourquoi je suis surpris, pourquoi je devais être surpris. C'est donc une rasa pour Parasite, c'est mérité, et je crois que c'est une première dans les Oscars qu'un film sud-coréen remporte le meilleur film. Bah voilà, bah bravo, bravo Bong Joon-ho, je reconnais que c'est une grande surprise. Donc du coup, c'est quoi Parasite grand vainqueur? Parasite grand vainqueur avec 4 Oscars, qui passe devant 1917 avec 3 Oscars seulement, ce qui est déjà bien, vous allez me dire, mais... Bah ok, bah bravo, bravo, bravo Parasite, ça me fait donc 14 sur 20, si j'ai bien compté. Ça reste mon record, je suis très content, c'est plutôt un bon score je trouve. Mais donc vous voyez, il y a eu des surprises, hein. De toute façon il y a toujours des surprises hein, chaque année, mais je j'aurais pas parié sur Parasite. Écoutez, très bien, parfait pour Bong Joon-ho. Ça va, je pense, ouvrir plein de trucs pour le cinéma sud-coréen, c'est une très bonne chose, donc je suis très heureux. Et donc ouais, bah, The Irishman, bah, zéro Oscar, en même temps, bon, je crois que Netflix, il les nomme
pour leur faire plaisir, mais sinon ils vont encore rien donner. C'est encore trop tôt, je pense. Joker 2 Oscars, le Tarantino 2 Oscars, le Mans 66 2 Oscars, c'est très bien aussi. Et puis voilà, bah, Marriage Story, pareil, Jojo Rabbit, reste les grands perdants. Mais bah, très bien pour Parasite, c'est très très bien. Bon, et bien voilà. 14 sur 20, donc je suis très content. On verra si j'arrive à faire aussi bien pour les Césars. À mon avis, ça va être. C'est non, parce que les Césars, c'est bien plus compliqué. On verra ça. Merci de m'avoir suivi. Excellente journée, soirée à tous. Et rendez-vous donc bientôt pour les Césars. Je vous laisse, faut que j'aille au boulot. À la prochaine. Salut. Et vive le cinéma.